Bonjour, je m'appelle Julie Choquette-Scott et je suis ici aujourd'hui pour Bougeons ensemble. Alors, c'est le défi Action Alphabet avec la Fondation Demain en Santé. Donc, aujourd'hui, on va faire la lettre N. Donc, pour N, le mot, en fait, c'est plusieurs mots, c'est « ne t'inquiète pas ». Donc, j'ai écrit ici tous les mouvements qu'on va faire aujourd'hui pour « ne t'inquiète pas ». Alors, il y a des burpees, des sauts sur place. Alors, n'oublie pas de te faire un petit réchauffement avant. Donc, donne-toi la chance là, de marcher sur place, courir sur place, monter et descendre les escaliers pour pouvoir activer ton cœur et tes muscles avant de faire les exercices. Alors, on va faire des exercices pour 30 secondes et il y aura une pause de 15 secondes entre chaque intervalle. Donc, le premier mouvement, aujourd'hui, ça va être les redressements assis. On va commencer au sol. Alors, je vais m'emmener au sol juste ici. Et voilà. Donc, pour 30 secondes, on va faire le mouvement et il y aura une pause de 15 secondes après. Donc, lève tes jambes et on y va. Pour 30 secondes. Alors, on y va. Lettre N de « ne t'inquiète pas ». Redressement assis. N'oublie pas de laisser tes jambes ici bien droites. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Parfait. OK. Prochain mouvement, ça va être le saut en étoile ou les jumping jacks. Donc, plusieurs façons de faire le saut en étoile. Première version, comme ça, la plus commune. Alors, on y va. Donc, tu peux commencer par faire des sauts en étoile comme ça, ou tu peux faire sans sauter comme ça, ou tu peux plier tes genoux, fais attention pour que tes genoux ne dépassent pas tes orteils et tu sautes en étoile. Donc, je te laisse choisir ce que tu veux faire. Ça va revenir plusieurs fois, ce mouvement-là. OK! 15 secondes de pause. Ensuite, on est rendu à la lettre T. Donc, les burpees. Burpees, c'est au sol. Alors, je vais m'emmener juste ici. Alors, tu peux commencer en planche, comme ça. Là, on saute. Tu peux sauter aussi avec les burpees. Tu peux pas sauter. C'est comme tu veux. Tu peux aussi faire une version modifiée comme ça de burpees. Alors, il y a plusieurs façons de faire des burpees. C'est à toi de choisir si tu veux sauter aussi entre. Et voilà. Donc, on est maintenant rendu à la lettre I, course sur place. Donc, c'est quand même assez facile. Tu vas tout simplement courir sur place. Alors, on y va pour 30 secondes. Donc, tu peux essayer de lever les genoux. Allez, vite, moins vite, vraiment comme tu veux. Et tout ton corps, suis les mouvements du mieux que tu peux. Alors, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait! Et maintenant, on va dire la lettre M. Donc, encore les redressements assis. On va venir s'allonger au sol. On va se préparer. Je vais venir de l'autre côté cette fois-ci. Et voilà. On y va. 1. Donc, essaye d'aller toucher avec tes coudes, tes genoux. Engage vraiment ton ventre, tes abdominaux, le nombril reste ancré au sol. On y va 5, 4, 3, 2, 1. OK. Donc, maintenant, on est rendu à Q, la lettre Q. Donc, monter les genoux. Puis en anglais, c'est les high knees. Alors, on y va. On y va. OK. Donc, monte tes genoux. Tu
tu peux te taper tes genoux si tu veux. Si t'es vraiment en forme, tu peux faire les tac, jambes. Comme ça. Aussi. Alors, je te laisse vraiment choisir. Qu'est-ce que tu veux faire? Parfait.
Alors maintenant, on est rendu à la lettre A, donc les squats. OK? Donc les squats, tu fais attention pour que tes genoux ne dépassent pas tes orteils comme dans le saut en étoile. Alors on y va. Dans 1. Engage vraiment bien tes fesses. Parfait. 2. On y va. 30 secondes. OK, je vais mettre de côté. Je vous voyez un peu. OK, alors tu devrais sentir tes cuisses. Les fesses qui travaillent. OK? Garde la tête vraiment bien droite. Droite aussi. Alors, on y va. 3, 2, 1. OK! Dernier mouvement, la lettre S. Alors, pour la lettre S, c'est un talon. S. Alors, c'est comme courir, mais là, tu vas toucher tes fesses avec tes talons. Alors, on y va. Dernier 30 secondes. Donne tout ce qui te reste. Et on dit comme courir sur place. Mais là, on tape nos fesses avec vos talons. On y va, on y va, on y va, on y va. Bouge tes bras. Ça va vraiment t'aider. Tu vas avoir toute la puissance. Tu peux aller plus vite que tu peux. Si tu peux aussi. Alors, 3, 2, 1. Parfait. Alors. Je vous rappelle que le mot avait été « ne t'inquiète pas ». Alors, dans la situation actuelle qu'on vit, inquiète-toi pas, tout va bien aller. Et puis, il y avait 14 mouvements à faire aujourd'hui. Donc, tu peux refaire le mot deux fois si tu veux. Tu peux réécouter la vidéo. Tu peux aussi utiliser les lettres, te faire un autre mot, inventer des mots, t'inventer des mouvements. Donc, 15 secondes de pause. 30 secondes pour le mouvement. Et puis, je vous souhaite vraiment un bon lundi. Alors, un bon début de semaine. C'est la dernière semaine du mois d'avril. Et puis, prenez soin de vous. Soyez aimables et continuez de bouger. Ça va vraiment faire un grand bien. On peut voir que j'ai eu chaud. Alors, ça fonctionne. Bon lundi. Au revoir.